Bonjour YouTube, c'est Chou Bleu. Je vous présente cette fois-ci une vidéo d'un jeu qui est vraiment annoncé prochainement et c'est le jeu de Electronic Arts. Bien sûr, vous l'avez deviné, c'est FIFA 2020. J'ai eu l'occasion d'avoir la démo, j'ai testé, j'ai envie de donner mon avis. Electronic Arts nous propose un nouveau mode dans son gameplay, c'est Volta Football. Vous l'avez sans doute deviné, c'est du football urbain, du football, si je peux dire, underground, amateur, mais stylé. Bien sûr, tout au long de cette démo, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui nous promet ce gameplay. Maintenant, je vous laisse et je vous dis place à l'intro, c'est parti, let's go. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão. Nous revoilà, nous sommes dans le menu, vous avez accueil, Volta Football, coup d'envoi, personnalisé, paramètres, contrat, commandes, personnalisation des commandes, réglage des vidéos, accessibilité, contrat juridique et paramètres du jeu personnel, accueil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accueil, coup d'envoi, football, vous avez Volta Football, nouveauté, acheter FIFA, bien sûr, on est sur une démo. Donc voilà, coup d'envoi, vous connaissez tous ces paramètres avec la manette ou le clavier, bien sûr, pardon. On revient dans la ligue, c'est UEFA, Ligue des Champions. Pour le moment, c'est ce qui est disponible dans la démo, donc on va pas aller explorer ce domaine, mais nous allons retourner, bien sûr, dans Volta Football, et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose que Electronic Arts a apporté dans FIFA 2020, bien sûr. Allez, on part dans ce monde là, c'est du foot urbain, c'est du foot 1 contre 1. Je vous laisse avec la démo cinématique et je vous reprends tout de suite, c'est parti. Short one. You in? On se retrouve, j'espère que la vidéo cinématique vous a plu. Vous voyez que nous sommes dans un monde underground, un monde artistique et créatif proposé par Volta Football. Donc là, je prends les commandes et je joue. Donc vous avez des héros proposés, des personnages très importants dans cette démo cinématique. Donc là, on va essayer de marquer. On a marqué un but. Voilà, c'est du gameplay urbain. Chacun essaye de proposer son style, sa créativité. Regardez, on a fait un petit selfie en fait. C'est original. Moi, j'aime bien ce domaine. Franchement, ça nous fait rappeler un peu le breakdance, le rap. Voilà, on est vraiment dans notre monde de gens modestes mais créatifs. Allez, on continue. Donc vous voyez, c'est 3 contre 3. On doit mener le match. J'espère qu'on va gagner. C'est pas évident, franchement. Moi, je joue avec la manette. Et donc, du coup, voilà, c'est stylé. On doit passer des passes. Et on doit pas être hypocrite pour pas perdre la balle. Donc, il faut jouer en équipe, bien sûr. Regardez les adversaires. Hein. Vous avez EA Kaija. C'est un joueur. Là, c'est Vincini. Attendez, je vais dicter son nom. Hein, c'est le héros de la vidéo cinématique, bien sûr, qui était c'est Vinicius. Voilà, quand l'autre lui a dit tu viens jouer avec nous, voilà, si tu es tenté, bah viens.
Donc du coup le voilà, il est en avec le t-shirt noir et le pantalon rouge. Là voilà, qui est en train d'attaquer ou de défendre la balle. Donc on continue. Voilà, donc on passe la balle, on va essayer de marquer. C'est pas évident, hein, c'est stylé. Ça change au football normal. Moi j'aime bien. Après voilà, chacun ses avis. Donc je conseille aux gens, voilà, si vous ne pouvez pas acheter ou vous n'avez pas tellement envie d'acheter le jeu, bah prenez la démo et testez, vous verrez que ça vaut le coup. Allez, on y va. Donc du coup, on a 2 contre 1, on perd, hein, on est mené au score. Non, on gagne pour le moment, on mène le score. Allez, on y va. Donc il y a un peu de musique stylée, vous avez de tout. De la trap, de la dance, de la jungle, voilà, j'ai pas entendu encore de la funk, mais peut-être que ça va venir prochainement. Allez, on y va, on passe la balle, c'est parti, on va essayer de marquer. Non, on est pas loin là, oh là là, c'est chiant là. Allez, on y va, il faut défendre, ils vont marquer. Non, faut pas les laisser, vas-y, tire. Ah putain, c'est à côté. Allez, on continue. Non, c'est stylé les amis, moi je recommande voilà, d'explorer ou de découvrir FIFA 2020. Allez, on continue. J'essaierai de faire une vidéo comparaison entre FIFA 2019 et FIFA 2020 pour voir qu'est-ce que ça a apporté. Mais je pense que Electronic Arts apporte toujours des nouveautés dans le gameplay. Voilà, c'est un label ou un studio qui fait vraiment du bon gameplay. Allez, on continue. Pour le moment, match nul. Regardez le ralenti. Donc vraiment, vous vivez le match. Voilà. Volta Football, moi, j'accroche. Allez, on y va. Ça doit être super entre amis. Hein. Allez, on y va, on passe la balle. Là, match nul, mes amis. Match nul. Est-ce qu'on va gagner ce match? Je sais pas. On va voir. Allez, on continue. On va tirer. Oh putain, j'ai failli mettre un petit pont. C'est loupé. Allez, on y va. Let's go. Allez, un petit dribble. Putain, il est bon, hein. Il est bon, le petit chinois, là. Oh putain, c'est à côté. Allez, on y va. Vous pouvez jouer aussi avec les murs, hein. Vous aidez avec... Oh, on a perdu. On va se retrouver après, à la deuxième mi-temps. Allez, match nul pour le moment, première mi-temps. Donc, on se retrouve tout de suite après la deuxième mi-temps. C'est parti, mes amis. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et le score est score nul. 2-2 pour le moment. On ne sait pas qui va gagner. Nul. Comme il dit Mohamed Hennie. Nul, c'est nul. Regarde ce que tu m'obliges à faire, Germain. Allez, on y va, je rigole, les gars. Putain, je suis en train de gueuler dans le micro. Allez, on y va. On dribble. On défend. Allez, on y va. On défend. Il faut pas qu'ils marquent, les mecs. Sinon, t'es nul. Allez, go. C'est parti. Putain. Ah, à côté. Putain, c'est quoi ce truc là? Vas-y, va pas marquer. Putain, t'es nul. Oh, putain. C'est quoi ce truc là? Allez, on n'est pas loin, les amis. On n'est pas loin. On mène. Non, on mène pas. On perd. Vous êtes nuls, les gars. Putain, on continue. C'est bon. On passe la balle. Allez, encore. Tire. Oh, putain, c'est à côté. C'est quoi, ce truc? Allez, on y va. C'est génial. Allez, il faut jouer, hein. Une, deux, faut pas être hypocrite parce qu'on perd la balle, regardez. J'ai fait n'importe quoi, il va marquer. Putain, il faut pas qu'il marque, les gars. Putain, c'est stylé, hein. Il joue bien, hein. Et l'intelligence, la EA dans le gameplay, franchement, elle est vraiment superbe par rapport à des années. Allez, on y va. Putain, c'est bien. Waouh, il a attrapé la balle. Allez, on continue, il a bien défendu. On dribble, on avance, il donne la balle. Vinicius, JR. JR. EA. JR. Oh putain, il a perdu la balle, JR. On y va. Non, ils vont pas marquer, faites gaffe. Putain, c'est quoi ce bordel? Oh là là, on perd, mais c'est nul. C'est un truc de dingue là. Voilà mes amis, je vous ai proposé cette démo de FIFA 2020 qui va sortir prochainement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas un pouce bleu, un commentaire et si vous aimez mon contenu, de vous abonner. Il me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao !